here is a zebra, correct? Zebra. Zebra means there is stone. Yeah. Tanzanite. This zebra is a stone tanzanite. Okay. When can you follow? Follow. Yes. This zebra. So you follow the zebra? Yeah. This you is follow the zebra and like a deer. Okay. Oh. Okay, you follow the zebra to get the tanzanite. Yeah. Alors que je m'enfonce dans la brousse africaine, j'essaie de mettre mes préjugés de côté et de m'ouvrir l'esprit. Ce film est le récit de mon voyage au cœur d'un monde méconnu. Celui du chercheur de pierres précieuses. Depuis 10 ans en Tanzanie, pays politiquement stable, de nombreux hommes ont choisi de se lancer dans la quête aux pierres gemmes. D'importants gisements ont été découverts, attirant un grand nombre de sans-emploi. Il y a 3 mois, la Tanzanie a fait la une des journaux du monde entier lorsqu'un groupe de mineurs a déterré un spinel rouge de taille record. Le spinel rouge étant une pierre précieuse équivalente au rubis. L'un des objectifs de cette expédition est d'en apprendre davantage sur le mineur qui a découvert cette gemme de 52 kilos. On espère seulement qu'il n'a pas disparu et coupé les ponts avec le monde des gemmes. Au sein d'une nature majestueuse, je voyage avec des gemmologues venus des plus grands laboratoires mondiaux. Le travail de ces gemmologues de terrain consiste à déterminer l'origine des pierres précieuses de couleur, car connaître l'origine d'une gemme est indispensable pour estimer sa valeur. Explorateurs invétérés, ces véritables Indiana Jones se sont aventurés aux quatre coins du monde, dans les entrailles de la Terre, pour prélever des échantillons de pierres précieuses directement à la source. Cependant, jamais encore ils ne s'étaient aventurés dans ces recoins de la Tanzanie. Kwamba ni vipi mnaweza ama kuna katika utafiti wenu mnaweza mkagundua kuna utofauti baina ya rubi za Tanzania na rubi za Madagascar. Les intermédiaires, afin de justifier leur existence, refusent que les étrangers aient un accès direct aux mines. En tant que scientifiques, les autorités tanzaniennes nous ont exceptionnellement accordé le droit de visiter les mines. Cependant, ce bout de papier ne pèse pas bien lourd au fin fond de la brousse. J'espère seulement que l'expérience et le tact de mes partenaires d'aventure suffiront à nous garantir une expédition sans ennui. There are some places where ruby and sapphire are found for many years. Some kings and some queens and some movie stars, they bought the stone and people have written books about this place. How do you value it? The problem with Tanzania and Madagascar is ruby and sapphire were found very recently. No books speak about that. Mwenyekiti. I'm not going to be in the middle of the woods.
Vincent Pardieu. Il trouva utile lors de notre première rencontre de me saluer en me donnant un coup de boule. La glace est brisée, ironisa-t-il. Je réalise aujourd'hui qu'il cherchait à me tester. Aurais-je accepté un tel affront ou au contraire mal réagi, quitte à compromettre un jour la sécurité de toute une équipe. Autrefois soldat dans l'armée française, Vincent se passionne aujourd'hui pour la gémologie. Et alors que je voyage avec lui, je découvre qu'il est féru d'histoire. Vincent déborde de théories sociopolitiques, acquises au fil de ses aventures autour du globe. Lui et lui seul fut choisi par Richard Hughes pour mener cette expédition. Richard demanda à Vincent d'organiser et de mener cette expédition afin qu'il puisse recueillir les données nécessaires pour mettre à jour son célèbre livre, Rubis et Saphir. Au sein de la communauté des gémologues, ce livre est considéré comme l'ouvrage de référence pour l'étude des rubis et saphirs. Quant à Michael Rogers, Guillaume Soubira et Warren Chitty, ces trois jeunes diplômés en gémologie ont hâte de se mesurer au terrain. J'ai l'impression qu'ils ont besoin de repères et qu'ils espèrent les trouver en Richard et Vincent. We have a red one. Yeah, like so, peanuts. But this is low quality, a lot of cracks and things like that. Right, right. So you see this is coming from this. Okay, we're good. Never mind, thank you. Asante. Puis voici Montgomery Chitty, un journaliste politique américain qui nous accompagne pendant l'expédition. Je me rends compte rapidement qu'ils forment une sorte de clan. Un clan d'aventuriers des temps modernes qui suit ses propres règles. Une règle importante exige qu'un leader soit choisi, de sorte que si les choses venaient à se corser, une décision rapide et unanime garantisse la sécurité du clan. Par mesure de sécurité, nous nous déplaçons rapidement à travers la savane. Et nous prenons garde de ne jamais rester plus de 24 heures au même endroit. Ici, les étrangers sont souvent assimilés à des négociants en pierres précieuses et pris pour cible. This is the place where for 200 km we had no brakes. Remember? The brakes of the car were broken and then we were all the time with the engine brakes and things like that. 200 km with no brakes. But it was okay because you cannot drive more than 40 km per hour, so it was okay. De même, par mesure de sécurité, nous avons recruté deux pilotes professionnels avec 4x4. Selon le clan, cela est vital, car le risque de mourir sur la route est très élevé lors de telles expéditions. If one of the vehicles breaks down and cannot be repaired on the spot, we'll be alone. If the second vehicle breaks down, it's heaven help us. Même pour les locaux, évoluer dans le monde des gemmes est complexe. Alors pour un étranger voyageant en ces terres, autant dire qu'un guide est indispensable. If you don't have a guide who knows which track to take, we will go lost for I don't know how many. We can turn it around for 1,500 km in a 50 km round. So we need to have a guide who knows the track. Notre guide et traducteur, Abdul Amsalem, baigne dans le milieu des pierres précieuses depuis son enfance. You see that, that house? I was sleep that in that house the last 2 years. Comme pour toute chasse au trésor, la quête des pierres gemmes se veut discrète. Le bouche à oreille est par conséquent le moyen privilégié de communication. Il faut donc être malin et persévérant pour réussir à obtenir des informations fiables. Ainsi, bien qu'Abdul soit un guide d'exception, il lui arrive parfois d'être induit en erreur. Aujourd'hui, il nous conduit pendant plusieurs heures au fin fond de la brousse sandanienne pour finalement découvrir, à notre grande consternation, que la mine à laquelle il pensait est désormais totalement déserte. Mais soudain, un Maasai se présente à nous.
Son prochain repas sous le bras. Il nous indique qu'un camp de mineurs clandestins s'est établi à seulement 500 mètres d'ici. Ne sachant pas vraiment à quoi s'attendre, le clan me conseille de ne pas tenter le diable et d'arrêter de filmer. Je rabaisse ma caméra, mais continue à tourner. Par la suite, Vincent nous félicita d'avoir tous su garder notre sang-froid ce jour-là. Mais à vrai dire, nos nerfs s'étaient crispés au son des premiers cris émanant de la brousse. Comme je ne comprends pas le swahili, je me demande à ce moment-là si ces cris sont des insultes ou bien une manifestation de colère face à notre présence. Sous le feu des regards, Vincent et le représentant gouvernemental qui nous accompagnent ce jour-là ouvrent la voie en saluant les mineurs paisiblement. Je suis quelque peu rassuré que certains mineurs ne nous dévisagent pas et continuent leur travail. Le camp est composé d'une multitude de mines à ciel ouvert, dont certaines sont à la limite de l'écroulement. Mais cela ne semble pas vraiment les inquiéter. J'imagine que la prise de risque fait partie de leur quotidien. Leurs cris et rires nerveux retentissent de toutes parts lorsque nous atteignons le centre du camp. Ruby mining area in the middle of the forest. But sadly for them, the quality is not very good here. À cet instant, je cherche à dissimuler mon angoisse et afficher le plus grand des respects envers nos hôtes. Car un simple faux pas pourrait faire dégénérer la situation. They have a still here somewhere where they brew alcohol. Yeah, the illegal alcohol somewhere. They're cooking local alcohol. This restaurant. Also, some of them they are taking some marijuana. Ganja, yeah. Avec l'aide d'Abdoul, Vincent se presse d'expliquer notre présence. Nous sommes des scientifiques et non pas des hommes d'affaires. Mais apparemment, la source des tensions est ailleurs. L'homme du gouvernement se décide à prendre la parole. Il rassure les mineurs en leur disant qu'il n'est pas ici pour les réprimander, mais simplement pour nous assister dans notre travail. So you said there was no problem. Abdul? Yeah? He told you there was no problem. There was no problem at all. Because we just coming together with this mining officer. This has normal things to happen when you're visiting the place where you've never been before. Une entente mutuelle s'installe petit à petit. Michael demande la permission de descendre dans l'une des mines à ciel ouvert. Quant à moi, je révèle avec prudence mes intentions aux mineurs. Je souhaite les filmer afin de saisir l'essence de leurs efforts. À première vue, cet homme me semble froid, voire agressif. Mais j'apprécie qu'il accepte ma demande lorsqu'il me somme de le filmer. Est-ce de l'orgueil ou de la fierté? À l'écran, sa performance est d'une sincérité étonnante. «
je repense au regard froid que nous avons subi à notre arrivée et réalise que nos craintes n'étaient rien comparées aux leurs. En tant que travailleurs clandestins, en tant que mineurs non déclarés, ils risquent beaucoup par notre présence, surtout que nous sommes accompagnés d'un représentant du gouvernement. Près de 550 000 Tanzaniens vivent d'exploitation minière, dont 95% sont clandestines selon la Banque mondiale. Car de toute évidence, les mineurs de ce camp craignent de perdre leur précieuse source de revenus. Une source non seulement essentielle à leur survie, mais également à celle de leur famille qui dépendent totalement d'eux. Leur labeur est assurément rude. La dernière chose dont ils ont envie de se soucier est la visite inopinée d'un groupe d'étrangers sur leur précieux lieu de travail. Il est évident que le gouvernement tanzanien profiterait de la taxation du travail de ces 520 000 clandestins. Néanmoins, je réalise que l'État ne doit pas appliquer la loi à la lettre. 50-50 En effet, ce secteur emploie non seulement de nombreux Tanzaniens ruraux, mais ces nomades chercheurs de gemmes jouent un rôle clé dans la découverte de nouveaux gisements dans tout le pays. Qui d'autre qu'un paysan désespéré irait s'aventurer dans des recoins aussi isolés pour y chercher la précieuse pierre qui pourrait changer leur vie? It's about green, not blue. Something very, it's like cut stones from that tree. Very nice one. Stone. If you stay here, you must get some money. Prospection hole. So he's digging here, and when they arrive to the quartz level, they are cleaning and they are checking if there is some color change garnet. And if there is some color change garnet, they will make the hole bigger, and they will follow the deposit. Pendant un instant, je crois apercevoir l'homme qui sommeille en cet enfant. Pourtant, je me demande si tout cela est propre aux mineurs nomades. Est-ce l'empreinte du désespoir? J'en ai. J'ai toujours eu cette idée qu'un homme peut se réaliser dans son travail. Mais en contemplant ces hommes, j'en viens à me demander si tout cela en vaut vraiment la peine. Pour le savoir, il me faut en apprendre davantage. Alors je continue ma route. Je continue ma descente. If I fall down, you know, we have to pull cross, right? If I fall down, I will be dead in a ruby mine, you know, it can be worse. This is for electricity, this is for air, compressor air. Yeah. Three levels actually, not two. Three levels.
So the first level is how many meters deep? The first level from that surface is 14. 14 and the second one, 20? No, the second level is 14. Oh. The second level is 14. The first level is 10. 10, 14. And 22. Okay. La veille de notre arrivée en Tanzanie, nous avons visité une grande exploitation minière nommée Rockland. Pour le reste de mon voyage, Rockland me servira de mine de référence, car en Tanzanie, la grande majorité des mines sont l'exact opposé de Rockland, c'est-à-dire de petite taille et non mécanisées. Cette mine existe depuis le début des années 70. Et bien qu'elle soit certainement l'une des mieux équipées du pays, certains détails structurels nous laissent quelque peu perplexes. Rockland n'est pas une mine comme les autres. Rockland est... Une petite balade de santé. Combien de mètres? 40 mètres, je crois. 37, 40. Il ne se doute pas que quelques jours plus tard, l'exploration d'une mine en Tanzanie le laissera sans voix. J'essaye de voir le fond de cette mine, mais n'y arrive pas du tout. La mine crache des nuages de poussière que les mineurs respirent inexorablement. Cette poussière est du graphite, une forme de carbone aux éclats métalliques. Comme le lait a la propriété d'absorber les particules de carbone accumulées dans l'organisme, le gérant de cette mine fournit systématiquement à chacun de ses mineurs un carton de lait après chaque relais passé sous terre. Ici, au pied du Kilimandjaro, se trouve la ville minière de Merelani. Ici, se trouve la seule source au monde d'une gemme bleue nommée tanzanite. Une gemme que l'on dit être un millier de fois plus rare que le diamant. Quand elle fut découverte pour la première fois vers la fin des années 60, Tiffany, le célèbre joaillier américain, dit d'elle qu'elle était la pierre au bleu le plus intense jamais vue depuis ces 2000 dernières années. La légende raconte que des bouviers Maasai ont aperçu cette gemme bleue pour la première fois après que la foudre ait déclenché un feu de brousse sur les collines de Merelani. La chaleur du feu révéla la gemme aux Maasai. Car c'est grâce à elle que les minéraux de couleur dévoilent toute leur intensité et révèlent le véritable potentiel d'une gemme. You need to be very careful on the time, not exceeding 3 minutes. If it's over 3 minutes, you'll find this stone like glass or like quartz. You have to be very careful. Bien que les traitements thermiques soient une profession à part entière, certains artisans mineurs prennent la liberté de cuire eux-mêmes leurs découvertes en enveloppant les pierres dans du papier aluminium comme Abdoul nous en fait la démonstration. Cette technique est pour le moins imprécise
Et si elle est mal appliquée, elle affectera directement la valeur marchande de la pierre. When we want to cook stones, especially tanzanite and citrine, except here we don't have powder for cooking. I just put in only stones in the aluminium foil paper. Then I fold it and I make sure that there is no air coming in. Then it's ready. When I want to take it in the normal charcoal. Vincent essaie par tous les moyens de faire comprendre cela aux mineurs, car il est persuadé que ces artisans ont bien plus à y gagner en déléguant cette tâche à des experts. There is the price before treatment, no treatment, nearly same price, and now the difference is going higher and higher. If the stone is nice and not heat treated, the price is way up. If there is some heat treatment, they don't like. Difficult to sell, more difficult to sell. Sure. Vincent s'efforce d'informer ses mineurs des meilleures pratiques afin qu'ils tirent le maximum de leur travail. This is where I work, my laboratory. Okay. Yeah, we saw a lot of burning. Instead to go to cut the wood and turn it into a charcoal, they go to mine gemstone because they get more from mining than from making charcoal. I wish you a big stone tomorrow. Yeah, of course. A big, nice stone tomorrow. Okay, well. And I will make promotion for you, mine. Well, thanks a lot. Good luck for you. And you too. Good luck for you. Okay. Good luck. Yeah, see you again. Where is my friend? Good luck for you. Next time, send me the stone. So that's the way down. Yep. We have a gym. Nixon Manga, 24 ans, avait à peine 2 ans lorsque son père commença à creuser ce trou. Un petit échauffement avant de descendre des centaines de mètres sous terre. La descente a commencé. Il n'est plus possible de faire demi-tour. Okay, let's go. Difficult. Difficult. Oh, yeah, but difficult. Same, but different. Simple, different. Not the same, difficult. Simple. Déjà si profond. Bientôt, l'entrée de la mine ne sera plus qu'un petit point blanc. Mon instinct me pousse à remonter vers la lumière. Depuis le début de mon périple vers l'inconnu, je m'efforce de compenser mon manque d'expérience terrain en observant Vincent et en faisant confiance à sa perception du risque. Mais Vincent refusa, dans un premier temps, de descendre dans cette mine car l'un des mineurs nous avait parlé d'une descente de plus de 180 mètres. Vincent nous raconte avec angoisse une expérience similaire qu'il a vécue en Birmanie, où il frôla la mort en descendant une échelle mouillée et glissante sur plus de 80 mètres. Ok, simple. Okay. Il survécut, mais se jura de ne plus jamais recommencer.
Ok, let's go. Cette première descente étant près de deux fois plus profonde que celle en Birmanie, par instinct, Vincent nous mit en garde. Car si par malheur quelqu'un venait à tomber, sa chute nous entraînerait tous vers notre mort. Alors pourquoi sommes-nous en train de descendre ? Mike et Guillaume sont passés avant nous. Et ce sont eux à nous avoir dit qu'il y avait des niches de repos creusées le long du parcours. Nous les avons donc écoutées. Vertical maybe 40 meters, 30 meters, oh, shoot. And then there's a step. Vertical for another 20, step, another 20, step, another 20. And then from there on, it's just this high. From this high to this high, like this. I'm doing this and crawling like this. And it's very far. Yeah, we went to the farthest shaft, the deepest shaft. D'accord. Il est vrai que l'échelle n'est pas mouillée comme celle de Vincent en Birmanie. Mais elle est recouverte de cette fine couche de poussière de graphite. Ces particules sont si minuscules qu'elles s'infiltrent dans n'importe quel équipement non protégé. Et puisque le graphite est conducteur d'électricité, il détruit tout appareil électrique qui l'infiltre. Mike en fit l'expérience avec son appareil photo. Après seulement quelques prises. Yeah, my camera died. We don't want to come back. I want to. Yeah, so I was saying I didn't want to take pictures until I got all the way down. Where is Abdul? I don't know. Philippe, quel est mon bruit là? Philippe, quoi? Hein? Selon les estimations, à cette cadence d'excavation, Merelani, qui est la seule source de tanzanite au monde, n'a plus que 10 à 15 années de cette gemme à nous offrir. Lorsque les premières exploitations débutèrent, le gouvernement prit la décision de diviser cette précieuse région en 4 zones distinctes. Les zones A et C furent mises à disposition des investisseurs étrangers, alors que les zones B et D furent réservées aux mineurs de Tanzanie, que l'on nomme ici les Wana Apollo. Ces derniers ont ensuite divisé les zones B et D en 430 parcelles, dont seulement la moitié est en exploitation par manque de financement. So, now we are around 80 meters from the surface. Okay. With two steps. Now there is the last one, the third one. Around 20-30 meters. So when we will reach the galleries, it will be around 100 meters from the surface. Okay, let's go. Les Wana Apollo sont confrontés à la rareté de la tanzanite. Ils ne peuvent espérer créer de nouvelles mines car aucune autre source de tanzanite n'a été découverte. Ils n'ont d'autre choix que de creuser davantage les mines existantes, plusieurs centaines de mètres sous terre. Les Wana Apollo doivent faire face à un autre problème. Ils ne peuvent pas se permettre d'acheter des machines trop coûteuses en essence. À la place, ils déblayent la mine en formant une chaîne humaine. Pour creuser une mine de 500 mètres, 100 Wana Apollo seront nécessaires pour remonter les sacs de terre jusqu'à la surface. Imaginez une telle chaîne de 100 hommes remontant des sacs. Tout semble si facile avec une machine. Si facile comparé à ces hommes qui doivent creuser le sol rocheux avec leur outillage manuel. This is the result of one year work to build this beach with three galleries, three level of galleries. Well, you were like busy guys. Great of part of this one was this year. Okay, busy guys. Hello. You know, this is a great thing because 2 years ago I came, and now I will be able to see. You know, after 2 years, there was that and that and that, the difference. And well, that would be nice. People were right. They say, you know, this guy at Hard Rock, they are mining like crazy. he's telling him because of machinery. Yes, machine and manpower. A priori, on suppose que l'objectif de toute entreprise minière, petite ou grande, est à terme de remplacer cet outillage manuel par des machines, dans le but de diminuer la pénibilité du travail. Pourtant,
Dans la pratique, que ce soit en Tanzanie ou ailleurs, le choix de la mécanisation n'est pas aussi évident. Machine work, like a gentle mine, like a rock mine. You have some mine in Burma, they are also working with machine. Now, you go for sapphire. All the mines that were working with machine, they stop working. This is nearly the same as ruby, but they don't work anymore with machine. Very few mines are working with machine for one reason. Ruby is more expensive than sapphire. But you have to do the same work to get the stone. So if ruby, for example, you get $1,000, for sapphire you will get $150. So they don't work with machine, with sapphire. So the question for working with machine is, the stone have to be expensive, because if it's not expensive, then you spend $1,000 and you get $500. But if you work with hand, maybe you spend $200 and then you get $300. So you make some profit. In many places I know, I have visited, sapphire mining is not anymore working with machine, and everybody says the reason is petrol too expensive, machine too expensive. That doesn't cover the cost. So they are waiting for the price to go up in order to work again with machine. In Madagascar there is a lot of sapphire. Most of the companies that came with big machine, bankrupt. After 2 years, 3 years, finish. Une demi-heure s'est écoulée et nous n'avons toujours pas atteint le fond. Yep. How much? 26 meters. Ok. Yeah. So again 26 meters. Yeah. Let's go. Lula. Yeah. Ils ont hâte de nous montrer leur trésor. Philip, Toyota Land Cruiser, français, how much shillings? What? How much? They gave me a model. Oh, no, no. Toyota Land Cruiser, new model. New model, you can now. 30 million. 14? 30 million. Can you put some light on him? Ces hommes ont dû descendre et remonter ce maudit trou des centaines de fois ou plus. Pour moi, c'est la première fois. C'est pourquoi je suis très vigilant au moindre de mes gestes. Je ne voudrais pas devenir le pire cauchemar de Vincent. Et oui, je suis le dernier dans la chaîne. Glisse et tombe, tue tout le monde. Espérons-le. Night, you sleep in this area. Look here. Okay. You sleep here? Yeah. When we walk hard, you sleep in this area. Let's go, guys. 20. Time. Rest 6 hours. So they work day and night. They have one day shift, one night shift. Day shift, night shift. Day shift, night shift. La mine est en exploitation 24 heures sur 24. Then rest. You stay down 6 hours for working. Yes, 6 hours work. And then when they go up, how long time resting? Resting 6 hours. 6 hours, and then they go down again. They go down. Every 6 hours. Yeah, we go down 6 hours. 6 hours, so 12 hours per day they work. Yeah. Les artisans mineurs gèrent leurs opérations très différemment des grands exploitants miniers. À Rockland, par exemple, tous les mineurs sont des employés et perçoivent un salaire mensuel pour leur travail. Ces employés sont donc assurés de percevoir de l'argent tous les mois. En contrepartie, ils ne toucheront aucune part des profits générés par la découverte de pierres précieuses. Leur risque financier est par conséquent limité, mais ils n'ont aucune chance de toucher un jour le gros lot. The miners, they get a salary, or they get how they get no salary. Because Tanzanites, when Tanzanites come, they come, it comes so many Tanzanites. So everyone gets how it is, maybe small. They get stones. Yeah, they get stones. Ah, okay. Ces mineurs ont rarement accès à des capitaux. C'est la raison pour laquelle ils en viennent à passer un accord commun entre tous les membres du groupe. Ils ne touchent pas de salaire.
Mais dès qu'une poche de pierre précieuse est découverte, les profits sont répartis au sein de l'équipe, du gérant jusqu'au mineur. What is the percentage of the pollution going to the miners? You find one pocket. Let's see. So what is the share for the miner? 10%, 20%, 10% for the miner. Les gérants et propriétaires s'engagent à fournir à tous un hébergement, de la nourriture, des outils de travail et des médicaments tout au long de l'année en échange de 75 à 90% des pierres découvertes. You provide the food and the tools, like the tool for mining, like yep. Ah, okay. Yeah. Okay. Yes, sorry. That's why you are taking 3/4 of the exactly. The selling price. Provide that's food right. And tools. Yeah. And tools. And medicine sometimes. Yeah. Get 75% of selling price. Toutes les équipes d'artisans mineurs que nous avons rencontrées au long de notre expédition, y compris les One Apollo de Merelani, gèrent leurs opérations sur la base de tels accords. Tout à l'exception d'une tribu, les Maasai. Comme partout en Afrique, l'héritage tribal est au cœur du savoir-vivre tanzanien. À elle seule, la Tanzanie compte plus de 200 tribus qui vivent et dépendent de cette terre depuis des siècles. Les One Apollo et autres groupes d'artisans mineurs que nous avons rencontrés se composent de membres de plusieurs tribus. Pourtant, les Maasai ont une autre perception de l'univers des gemmes. Je savais que les Maasai étaient très proches de leurs racines ancestrales, mais je n'étais pas au courant qu'ils faisaient partie des marchands de gemmes les plus respectés du nord de la Tanzanie. Comme moi, Vincent apprend que les Maasai gèrent leurs mines avec une approche très différente des One Apollo ou autres groupes de mineurs. Lorsqu'un Maasai trouve des pierres précieuses, son objectif est de faire grandir son troupeau de bétail. En effet, les Maasai sont des bouviers de tradition et marchandent les pierres gemmes uniquement pour acheter plus de bœufs. Quand on y pense, c'est judicieux, car lorsqu'ils ont besoin d'argent, il leur suffit de vendre un bœuf ou deux. C'est l'approche des Maasai. Elles ne nécessitent aucune aide extérieure et préservent ainsi leur légendaire indépendance. Ok. So we are 300 meters underground in Merelani Block D. Yeah. It took us 1 hour and a little bit more than 1 hour to arrive here, crawling like rats. Au cœur des zones B et D de Merelani, les mineurs qui exploitent la précieuse gemme tanzanite doivent creuser bien plus profond que les autres. This is a drilling machine. Mm. Called dig. To dig. To make hole in the... La rareté de cette gemme les a contraints à diviser ces zones en 400 parcelles indépendantes. Ainsi, chaque propriétaire de parcelle ne peut espérer étendre ses fouilles sur des zones plus larges. Son seul espoir est d'étendre son exploitation à la verticale en creusant de plus en plus profond dans la terre. Mais creuser à ces profondeurs est bien plus risqué. En mars 2008, 65 mineurs ont trouvé la mort lorsque la mine fut inondée et s'effondra. Alors que je voyage au cœur de cette terre, je commence à comprendre que la nature dans cette partie du monde est aussi dangereuse qu'elle est magnifique. This is the trench we have cut to ward off all the wildlife. As you can see ahead there, we have had a lot of elephants. À Rockland, les mineurs ont creusé une énorme tranchée tout autour du camp. Pour quelle raison? Pour empêcher que les bêtes sauvages ne s'aventurent à l'intérieur du camp. Wildlife. Even at night, you sleep hyenas, lions, buffaloes, elephants. Alphonse Mwanda, l'un des gérants de Rockland,
nous explique qu'avant la tranchée, des éléphants s'aventuraient dans le camp à la recherche d'eau et endommageaient inévitablement les installations. Elephants come here in hundreds, 200, 300, with very small, small kids. And they come in groups, in family groups, a family of about 10, 15. La clôture protège également contre les lions, car Rockland est situé à Tsavo, région connue pour ses lions. Tsavo est surtout connue pour les deux lions mangeurs d'hommes qui prirent des cheminots pour proie au début du XXe siècle. Une histoire rendue célèbre par le film « L'ombre et la proie ». J'avais vu le film, mais j'étais convaincu que ces deux lions étaient une exception. Mais ici, on m'apprend que ces animaux sont connus pour attaquer les humains lorsque le gibier vient à manquer. En particulier dans une région de Tanzanie nommée Tunduru. Alors que nous passons la nuit dans une petite ville isolée de cette région, où se sont déroulées plus de 400 attaques de lions en 10 ans, Abdul nous raconte la nuit où l'un de ses prédateurs fut repéré tout près du puits à eau. Elle s'enfuit et donne l'alerte. C'est alors que les hommes du village déballent leur tenue de guerrier et saisissent leurs armes. Ils encerclent la bête, mais n'arrivent pas à s'en rapprocher. Mais un brave vieux guerrier savait comment agir. Dupont, le guerrier saute sur le dos du lion. Hommes et bêtes se battent pour leur vie. Alors que la bête reprend son dernier souffle, l'homme agonise. Les villageois escortent leur héros au loin, loin de cet ultime combat. À quelles autres menaces les mineurs doivent-ils faire face? Il y a bien sûr les risques d'infections bactériennes et virales. Mais le long des lits de rivière, souvent riches en pierres gemmes, les mineurs doivent faire face aux attaques de crocodiles ainsi qu'aux piqûres de mouches tsetse. L'infâme mouche tsetse a un dard plus douloureux que celui d'une abeille et peut être porteuse de la maladie du sommeil. Sans traitement, cette maladie est mortelle. We are not hurt. No, yes, yeah. So this is the place where the air from outside is coming for to bring some oxygen in the mine. So this is the best place of the mine. Get a good rest after spending crawling 100 meters. Yes, it's pure wonder. Fresh air, fresh air coming in my face. Quelle est cette force qui les anime? D'où vient-elle? Comment peut-on choisir volontairement un travail aussi risqué et pénible?
But for us it is good because we get something which we can help our family. Okay. Yeah. Usually you are farming or you are all the time working at miner? I have my family. Oh, you are farming? Yeah. You I'm are a farmer. J'entends ces mots et je pense, ok. Donc M. Tchéloi a décidé de jouer comme au casino, quelques mois par an. Ok, you have a farm. Yeah. Currently, you don't have the work in the farm. So nowadays, we have no work there. Okay, so that you don't work at the farm. We are here. Okay. After this month, we have to go to our farms again. Mais une fois encore, c'est la mère nature qui impose sa loi. Peter se perçoit comme un fermier avant d'être un mineur, ne pouvant cultiver ses champs tout au long de l'année, à cause de la saison sèche qui se déroule de juin à novembre, il n'a d'autre choix que d'exercer une autre activité. Partir à la quête de pierres précieuses est, semble-t-il, sa prédilection. Et j'apprends que ceci est le cas pour de nombreux autres fermiers tanzaniens. Okay, because there is no work at the farm, so you are coming mining. There is no rain, yeah. No rain, so you are coming mining. That's why we are here. Okay. Yeah. So it's good for your farm, so you yes, can... Yes, yeah, because we earn. Okay, it help you for your farm. Yeah. Okay. Help us. Thank you very much. Yeah, thank you, miss. Il affirme que ces difficultés en valent la peine, mais je ne peux m'empêcher de croire que c'est l'espoir qui le pousse à dire cela. L'espoir d'un jour toucher le gros lot. Car dans cette économie, sa ferme ne lui permettra peut-être jamais de gravir l'échelle sociale. Alors que la recherche des pierres précieuses, aussi difficile et impitoyable puisse-t-elle être, pourrait peut-être un jour lui donner l'opportunité de sa vie. It's very difficult. Very difficult mining. Very difficult, but because there is a lot of chance. You can miss the pocket by 20 centimeters. Yeah, yeah. Or you can get it. You can fall down and get maybe 1 or 2 kilos of an ice stone. Yeah. Or you can mine for 6 months to 1 year and get nothing. Bien que les découvertes soient rares, beaucoup ont choisi d'exploiter les mines tout au long de l'année et d'y investir non seulement leurs rêves et leurs espoirs, mais aussi leurs économies et leur santé. How old are you? I'm 24. So it's 9 years you are mining here. I'm mining here. And the capital I get it here. So it's 24. To me, the capital which I I'm running it now, I get it here. So you became the manager of the mine at 15? Yeah. 15 years old, you were the manager of the mine. Yeah. When my father died and me, I left the school. I came here to work. At 15 years old. Yeah. Yeah, come from up. Okay, come from the vein. Come from the vein from up. So tanzanite is found here with a graphite on a pyrite here. Yeah. All right. Any place. This place. This is pocket. Okay. Like that. Okay. This bed make this pocket. Okay, this is a pocket. Yeah. Okay, so you're working here. Yeah. Okay, how many days working here on this pocket? To get the tanzanite. Yeah. Okay, 24 hours a day. 24 hours by a shift. Day. Okay. Yeah. Okay, and you're working with a digging machine. Drilling machine. Huh? Uh-huh. Yeah. Drilling machine. But today you are taking out the coordinator. You are taking out the sand from the graphite from the mine. Yeah. So today you don't work with a machine. Today you sweep mining. Yeah, you clean the mine. Clean the mine after blasting and after drilling. Uh-huh. Okay, and you will work again, drill again tomorrow, correct? No. Night. Tonight. Tonight you will drill again and blast. Yeah. Okay. Donc, nous avons rencontré des fermiers qui affirment que la quête des pierres précieuses est une bonne alternative, ainsi que des entrepreneurs tels que Nixon Manga qui ont grandi autour des mines. Mais visiblement, Peter Tchéloi ne roule pas sur l'or, et Nixon Manga avoue que son équipe n'a pas découvert d'importants gisements depuis presque 2 ans. Tous ces efforts sont-ils vains? Don't make
somebody comes to me and asks for my help, and I give them advice, and then they decide to do the contrary to what I advise them to do, then I'm like, well, you know, you're on your own. You know, you're on your own. You get into trouble in any way, shape, or form, you're on your own. House of glass on top of the hill. House of glass. Yeah. They just met those in my room and they say no problem. Yeah. So my feeling when I was in the office that this lady don't want shit. Tomorrow we don't know what will happen, it depends on the guy there. Maybe get a policeman, or maybe get two policemen, or maybe get three policemen, or maybe get zero policemen. So maybe the Vince thinks that it's probably better if we don't have the police simply because some miners are afraid to show things when they see the police. Some miners don't. It's understandable. Cops freak everybody out. He knows that, and I know that. Depuis la grande découverte il y a 2 mois, des tensions sont apparues concernant la propriété de la maison de verre. Sans crier gare, le gérant de la mine fait son entrée. Vincent semble angoissé, car encore une fois, il doit justifier la présence d'étrangers. Yeah, I have a website, ruby-sapphire.com. Ah, I've seen it also. Yeah. Il est donc déjà allé sur leur site internet. Dieu bénisse l'internet. Comment réagirait le gérant? S'il venait à apprendre que nous avions rencontré la veille même, le fameux mineur qui avait découvert ici le spinel de 52 kilos et s'était enfui avec. Et oui, Abdul est tout simplement arrivé avec lui à l'heure du dîner. Comment a-t-il bien pu faire pour retrouver sa trace et ensuite l'inviter à notre table ? Le fonctionnement du célèbre réseau de communication africain ne cessera jamais de nous étonner. Par-dessus tout, notre nouvel ami de fortune avait hâte de nous raconter son histoire. 75 km for half an hour. Yeah. It was very fast. It was recent that day. C'est ici que le spinel record a été découvert. Dans un cratère boueux sous-jacent au couloir de roches blanches de la dite maison de verre. Juste après que ce grand vénard ait eu déterré la pierre, il en parla à une seule et unique personne. Son ami devait alors quitter la mine incognito pour ensuite revenir le chercher en moto. Contraint d'attendre son retour avant de pouvoir se cavaler avec sa précieuse, il recouvrit non sans crainte l'énorme pierre avec de la boue et s'assit tout simplement dessus. He took part of the mud. He combed the mud, that piece. That was fun. He combed all the piece with the mud. Then that miner, he sit on top of that piece was found. Pendant 2 heures, il pria le ciel que ses collègues ne trouvent pas son attitude suspecte. 2 heures à se tourner les pouces sur son caillou. Finalement, son acolyte apparut sur son deux roues. Bien entendu, c'est alors que la plupart des autres mineurs comprirent la ruse. Heureusement, son acolyte avait également apporté un moyen de dissuasion. To make the miners going away. Flat. He said that they not escaped with only one piece. They escaped with a two piece. But this one it was almost 2 to 3 kilos.
So there was a piece 52 kilo and another one 2 or 3 kilos. From what I read on the website regarding the 52 kilo, there was only 3% of the 52 kilo which was gem quality. So 3% semble peu. Mais bien qu'il ait dû partager ses gains avec d'autres mineurs qui l'ont assisté dans son échappée, la part de cet homme fut assez conséquente pour le hisser vers le haut de l'échelle sociale. He's a small scale miner. But now he's not anymore a small scale miner. Are you happy about this? Nous sommes donc parvenus à croiser un homme dont l'aventure minière fut un succès. Nous lui avons promis de garder secret ses projets futurs. Mais je peux vous avouer une chose. On ne le reverra plus jamais travailler dans le monde des mines. La Tanzanie, comme le Kenya et d'autres pays du tiers-monde, n'est qu'après tout une nation en voie de développement. Une nation à la recherche de son identité et de sa place dans une mondialisation en mouvement. When I was just a small land, I sold aquamarine 7 shillings, which was about $1. I went fishing and I saw a lock. Then I went to my teacher and he said I'll give you 7 shillings. I was so happy. Then you started like that. I went on. De toute évidence, l'exploitation des mines de pierres précieuses fait partie intégrante de leur économie. Et nombreux sont ceux qui ont bâti leur vie autour de la quête des gemmes. D'autres, tels que les fermiers et les Maasai, ont choisi de faire de cette activité un revenu complémentaire. Cet équilibre semble être positif pour eux, bien que cette quête aux pierres précieuses soit un pari risqué. Après de nombreuses expéditions au sein des mines des quatre coins du monde, Vincent écrit dans son carnet de voyage, j'ouvre les guillemets, s'il est possible, avec un peu de chance, de devenir riche rapidement en travaillant dans le milieu des pierres précieuses, il est aussi possible de devenir très pauvre ou pire aussi rapidement. J'appelle cela le casino du gem. Y a-t-il d'autres alternatives? Déjà, pour des personnes comme Peter Chelwa, la quête des gemmes est une alternative à l'exploitation fermière, souvent miséreuse. Pour d'autres, c'est un moyen de ne pas se lancer dans la production de charbon, principale cause de déforestation. Here is a zebra, correct? Zebra. Zebra means there is stone. Yeah. Tanzanite. This zebra is a stone tanzanite. Okay. When can you follow? Follow. Yes. This zebra. So you follow the zebra? Yeah. This you follow is, the zebra and like a deer. Okay. Oh. Okay, you follow the zebra to get the tanzanite. Yeah. Ça nous a pris 1h30 pour arriver au fond du trou, qui doit faire probablement plus de 300 mètres de descente par échelle. Donc voilà, je voulais rendre un petit hommage à l'un des métiers les plus durs du monde. Et parce que je serais incapable de faire ce qu'ils font. Voilà. Imaginez ça, les mineurs de Merelani doivent s'échapper de prison 2 fois par jour, 6 jours par semaine. Over here, it says the price of freedom is not cheap. It's quoting Bush. Ils creusent le sol avec un rêve en tête.
suivre le zébra des centaines de mètres sous terre. Ici, à Merelani Zone D, à plus de 300 mètres de profondeur. Tant le fermier mineur que le mineur à plein temps, j'ai l'impression qu'ils ont tous besoin de rêver. Un peu comme ces hommes qui ont pris part au 19e siècle à la ruée vers l'or aux États-Unis. Ils avaient eux aussi eu besoin d'espoir et de rêves pour les pousser vers l'avant. Cela rappelle le proverbe français « L'espoir fait vivre ». Ces mots prennent ici tout leur sens. Je ne prétends pas avoir trouvé les réponses à ces questions. D'autant plus qu'elles contiennent peut-être la clé d'un avenir meilleur pour ce pays. Une chose est sûre, cette expédition m'a rempli d'admiration et de respect pour ces hommes.